La place du vélo au Mans passe par un certain nombre de situations. La circulation, les pistes cyclables, les bandes cyclables, qui méritent d'être largement améliorées, puisqu'aujourd'hui, la ville du Mans est très en retard par rapport à d'autres villes beaucoup plus cyclables. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'un budget dédié à la circulation du vélo de 50 euros par an et par habitant soit décidé. Nous voulons aussi valoriser le stationnement du vélo, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que c'est un frein à la circulation à vélo quand on ne sait pas où ranger son vélo. Nous souhaitons également mobiliser les candidats sur le respect des aménagements cyclables et les vols importants qui se produisent. On constate que les bandes cyclables sont souvent... Il y a souvent des véhicules dessus, des scooters qui circulent et qui rendent la circulation des cyclistes difficile. Quant au vol, il se développe effectivement et on souhaite que la police s'en occupe. Nous voulons également leur soumettre un projet de maison du vélo. La maison du vélo existe déjà dans un certain nombre de villes. C'est un lieu de convergence de tout ce qui peut tourner autour du vélo en termes de circulation, de trajet, de réparation, de location, de formation des particuliers, des salariés au mode de mobilité à vélo. Et puis, dans le cadre du plan vélo qui a été envisagé par les pouvoirs publics, il faut viser à minima, d'après le plan proposé par les pouvoirs publics, une part modale à 9%. On en est très loin et en tout cas le Mans n'a pas édicté un tel projet et n'a pas envisagé les moyens qui correspondraient à ce développement.